Bonjour à tous. J'ai envie de vous faire un petit live à soir. Pas pour parler du jugement que j'ai eu, parce qu'aujourd'hui j'ai eu un jugement à Laval. Il y a une ordonnance de non-publication. Mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui la vraie corruption du barreau du Québec. Je vais vous faire jouer un petit vidéo avant. Puis ensuite, je vais vous montrer un courriel que j'ai reçu venant de Claude G. Leduc. Et vous allez comprendre la bagarre judiciaire dans laquelle je suis embarqué. Puis comme quoi que le barreau du Québec, vraiment, là, n'ont aucunement l'intérêt de la population à cœur. Puis je vais vous le montrer. Je vais commencer par vous montrer un petit vidéo que j'ai vu, qui a été partagé aujourd'hui concernant la petite fille de Granby. Je vais vous tourner l'écran de bord, là, puis je vais vous mettre ça. Puis ensuite, je vais vous élaborer quelque chose. Bon, on part ça. Oup. La fille de Granby est décédée à la fin du mois d'avril. Et cette triste affaire continue de faire couler beaucoup d'encre. Jeudi, la mère biologique de la petite martyre va se présenter devant le tribunal de la jeunesse à Granby dans le but de réclamer la garde du frère de la victime qui lui est âgé de 5 ans et qui se trouve actuellement dans une famille d'accueil. Eh bien, à quelques heures de ce débat en cours, nouveau rebondissement. TVA Nouvelle a appris de sources sûres que la direction de la protection de la jeunesse, d'une part, va s'objecter à ce que le petit garçon ait des contacts avec sa mère biologique qui en avait perdu la garde très rapidement après la naissance et recommande qu'il reste en famille d'accueil pour une période de temps. D'autre part, et c'est peut-être l'élément le plus étonnant de l'affaire, la DPJ, toujours selon nos informations, est en faveur que le petit garçon ait des contacts avec son père ainsi que sa belle-mère sous supervision dans un objectif thérapeutique. Or, s'il y a autorisation de contact à la demande de l'enfant, ça ne serait pas à court terme, selon nos informations. Rappelons que le père et la belle-mère sont toujours détenus derrière les barreaux. D'ailleurs, récemment, le père a échoué dans sa tentative d'être remis en liberté durant l'attente de son procès. Il fait face à des accusations de séquestration, d'abandon d'enfant et également d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de sa fille alors qu'elle se trouvait dans le besoin. Quant à la belle-mère, son enquête sur sa remise en liberté aura lieu vendredi. Vive le tribunal de la jeunesse qui sera inondé de toutous demain matin. Ouais, je dirais qu'il y aura un petit coup d'éclat où je parlerai peut-être plus d'une manifestation d'amour qui sera exprimée demain à l'égard de tous ces enfants dont les droits et la dignité ne sont pas toujours respectés. Alors, je le disais, demain matin, 9h, la mère biologique se présente devant le tribunal de la jeunesse à Granby pour réclamer la garde de son fils de 5 ans. Et Pierre, elle sera accompagnée par des amis, des membres de la famille qui déposeront des centaines de toutous, me dit-on, Pierre, donc non à l'intérieur du palais de justice, mais plutôt à l'extérieur, sur les marches. Évidemment, cela devrait attirer de nombreux médias d'information. Alors, voilà pour ces derniers détails. Ce sera à suivre certainement en matinée demain du côté de Granby. Merci. Que vous avez bien entendu, le père et la belle-mère, ceux qui ont tué la petite, le DPJ est en faveur pour que le petit garçon qui était violenté lui aussi ait des contacts supervisés avec ses bourreaux. Voyez-vous là, ce qui se passe dans le système? Et ensuite, on voit des ministres et des députés qui partent une commission d'enquête en nommant leur chum. Aujourd'hui, j'ai reçu un document, je vais le sortir. Ça vient du barreau du Québec. Ça sera pas bien long. Parce que je vais vous montrer ça. J'ai fait, quand que la petite est rentrée à l'hôpital, j'ai dit que la famille m'a approché pour faire des poursuites judiciaires. Mon rôle à moi, c'est les poursuites criminelles privées. Ce qui est un droit, je vais vous le montrer. Les poursuites criminelles privées, je vais vous le montrer en partant. Le barreau aime pas trop ça parce qu'ils sont complices. Regardez bien ça. Une poursuite privée est une poursuite intentée par un particulier qui n'agit pas pour le compte d'un organisme d'application, de la loi ou d'un service de poursuite. Le droit d'un citoyen d'intenter une poursuite pour une contravention à la loi a été qualifié de garantie constitutionnelle précieuse contre l'inertie ou la partialité des autorités. Le citoyen, comme poursuivant, le procureur général qui a le pouvoir exclusif de représenter le public,
devant le tribunal et de superviser les poursuites en manière criminelle sont deux aspects fondamentaux de notre système de justice pénale. J'ai un droit constitutionnel, je l'ai fait dans le dossier de Taonnette et je le redis, je ne suis pas un avocat. Je suis pas un corrompu qui fait partie du barreau du Québec. Regardez bien, le barreau du Québec, aujourd'hui, le 5 septembre, je m'en vais en procès contre eux autres pour une chose. On vient de me récuser. Demande du demandeur pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d'outrage au tribunal. Ouais, le barreau du Québec, parce que je dépose des accusations criminelles, veulent me poursuivre, mais dans leurs documents, ils disent que la famille me mandatait pour le civil. Je vais vous trouver la place. Ça sera pas bien long. Et là, le barreau du Québec, ils vont avoir objection à toutes leurs preuves parce qu'ils ont pris des... Dans leur requête, ils ont pris des personnes, des trolls de Facebook, probablement des employés du barreau du Québec, qui mettent des commentaires en pensant que je suis un avocat. Et ils se servent de ça pour dire que je me prétends avocat. Que va falloir que toutes les personnes, toutes les citations de Facebook, va falloir qu'ils m'amènent les témoins qui soient contre-interrogés parce qu'il n'y a pas de déclaration assermentée. Et je suis convaincu que c'est des trolls parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont été les confronter sur les discussions. Mais ça sera pas bien long. Je vais vous trouver ça. Parce que je vais vous montrer leur requête là. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'ils veulent au bout de la ligne. Je vais la remonter du début. Puis faites des print screens, je la lirai pas là. Le début, c'est le jugement Dubois. Ça, c'est le jugement écrit par Claude G. Leduc. Là. Parce que les jugements rendus, là, c'est pas les juges qui écrivent ça, parce que les juges se salissent, parce qu'il y a eu suffisamment de témoins qui ont vu les preuves. Et présentement, le barreau du Québec agite des jugements pour essayer de mettre plusieurs outrages au tribunal pour venir qu'à me mettre en prison. À force de faire des outrages, ils vont essayer de me mettre en prison. Mais ça, c'est des extraits du vidéo des posts que j'ai faites, qui ont mis, mais partiellement seulement. Regardez, ça ici, là, voir si on est incompétent, moi je peux te dire, je te soumets d'aller sur Google, putain, son rêve lui vaut la prison, arrête des procédures. Ça, c'est en 2014, j'avais été... autorisé à faire des travaux communautaires de forme judiciaire. Et là, ils veulent se servir de ces affaires-là pour dire que je le fais. Ça a été fait dans le passé, ce dossier-là. Ils concoctent des requêtes bidons, puis vous allez voir après ça. Regarde comme ça, ici, là. Madame Béliveau... Elle dit clairement, il n'approche pas les familles en leur disant être autorisé à remplir les fonctions de juriste. Il recommande d'abord aux familles de travailler avec un avocat. Et là, elle finit pas sa phrase, là. Mais Mme Béliveau va être là pour témoigner. Karine Darcy, il va falloir que tu sois là. Tu sais, que moi, je vais amener les témoins que je connais là-dedans, mais eux devront fournir les témoins, sinon je vais m'objecter à toutes leurs preuves. Pas de témoins, moi je suis convaincu que c'est eux qui se font des profils. Et regardez bien ce qu'ils demandent. Oups. Je vais vous montrer ce qu'ils réclament. Attends, c'est que j'ai vu ça. Parce qu'ils réclament une amende entre 10 000 et 100 000 $. Ce sera pas bien long, je vais sortir l'autre document parce que... Puis regardez bien là, je vais vous montrer. Lui m'a envoyé ça. Copie conforme, Eliane Hogg, Suzanne Charles, Claude G. Leduc. OK. Mais curieusement, il y a un autre document que je vais vous montrer qui est l'ordonnance. Je clique dessus.
Il y a une ordonnance signée d'un juge aujourd'hui, mais ça me vient de Leduc. Pourquoi c'est pas le juge qui me l'a envoyé, puis c'est Leduc? Est-ce que c'est Leduc qui a autorisé? Regardez bien, là. Au cas où vous seriez trouvé coupable d'outrage au tribunal, vous êtes passible d'une condamnation à titre punitif d'un montant n'excédant pas 10 000 si vous êtes personne physique ou 100 000 si vous êtes une personne morale. Et dans la poursuite, ils ont mis l'unité citoyenne d'enquête anticorruption pour outrage au tribunal, mais je le fais en privé. Privé, en tant que citoyen. L'unité citoyenne d'enquête anticorruption, c'est pas eux qui vont déposer la poursuite criminelle privée. C'est un droit constitutionnel que j'ai. Et le barreau du Québec ne veut pas que je fasse la poursuite criminelle privée maintenant, parce que devant ta honnête, Claude G. Leduc a clairement dit au palais de justice de Drummondville qu'il ne se mêlerait pas de ça. Il a clairement dit qu'il ne voulait pas me nuire. Et là, il fait le contraire. Pourquoi? Parce que je l'ai avisé que je le poursuivrai en poursuite criminelle. Parce que j'ai un droit de le faire. Il y a des trous de cul, comme Claude G. Leduc et Eliane Hogg, qui siègent au barreau du Québec, qui minent la confiance du public en disant dans leur requête que c'est moi qui mine la confiance du public. Ça fait que passer le message, envoyer ça, ces pages de partout, je vais obtenir un procès le 5 septembre officiellement. Le procès va être cette date-là. Et ils sont mieux d'avoir ben des témoins. Parce que leur requête, là, poursuite Boyon encore une fois, puis ils vont se la colisser dans le cul. Ça, c'est clair et net. Eux défient la loi, eux enfreignent le droit, et ils disent que c'est moi qui mine la confiance du public. Pourquoi? Parce que les responsables du décès de l'enfant, les avocats impliqués dans le dossier, sont tous responsables. Ils sont tous responsables. Des membres du barreau du Québec. En passant, il y a une avocate dans ce dossier-là, Maître Valérie Assouline. C'est une avocate que j'ai énormément de respect. Elle a déjà fait un dossier, elle a gagné une cause d'une mère que j'avais fait le dossier, que j'avais étudié le dossier, puis que j'avais déjà préparé. Puis elle a gagné le dossier, et c'est elle qui va être là demain, au palais de justice de Granby, pour tenter de récupérer la garde du petit. Et quand elle a voulu prendre possession des documents, le barreau du Québec s'objectait à ce qu'elle ait les preuves. Qu'est-ce que le barreau cache? Qu'est-ce que le barreau cache dans ce dossier-là? Je vous le dis, le barreau du Québec, ça va sortir, toutes les preuves vont sortir cet été concernant mes affaires. Ils veulent essayer de me mettre en prison par des déclarations d'outrage au tribunal, mais ils vont manger de la merde. C'est sûr que ça va sortir. Parce que Claude G. Leduc, il a franchi les limites. Eliane Hogg, c'est la même affaire. Puis ceux qui dirigent le barreau du Québec sont même pas dignes de confiance. En passant, Leduc, il est là-dedans. Puis la tweet à Hogg, c'est la même affaire. Puis j'espère qu'ils vont déposer cette vidéo-là dans le procès. Puis ramenez-moi en procès avec cette vidéo-là, si vous voulez. J'en ai rien à chier. Parce que la confiance du public, c'est le barreau du Québec qui amène. Ça fait que, en plus, régulièrement, je reçois des téléphones de des personnes nowhere, qui sont pas sur mon Facebook, et qui me demandent, hey, comment tu charges pour faire des requêtes? Comme si je savais pas que c'est les employés du barreau du Québec pour essayer de m'enregistrer puis me prendre à défaut. J'en fais plus pour personne. Je fais le dossier de la petite, je le fais privé avec la grand-mère. Parce que le DPJ fait longtemps que je sais qu'il y a un réseau d'enlèvement, et là, j'ai des preuves de... J'en ai de la preuve en main, j'ai le dossier ici à côté de moi. Je l'ai, le dossier de la petite. Ça fait que barreau du Québec, ils veulent que la preuve se ramasse publique. Pas de ce dossier-là, je parle, mais les autres, attachez vos tucs, parce que j'en ai des vrais parents qui sont prêts à dénoncer publiquement. Mais là, quand je vois des hosties de torchons, de requêtes faites par des amateurs, puis que le juge fait juste signer, hostie, ça fait que tout ce que j'ai sur Claude G. Leduc, ça va sortir bientôt, et en passant, je vais m'arranger pour que la poursuite criminelle contre Claude G. Leduc soit déposée au plus tard la semaine prochaine, parce que Claude G. Leduc a officiellement déposé un parjure en sachant que c'est un parjure. Il l'a dit lui-même dans un audio la semaine passée dans ses bureaux qu'il le savait. Ça fait que Leduc, t'es un criminel qui travaille pour le barreau du Québec, mais le pire, c'est que t'es bâtonnier. C'est là que c'est inquiétant, puis tu mines la confiance du public, mon esti de colon. Puis ceux qui ont les oreilles trop sensibles, ben, flushez-moi. That's it.
Mais c'est clair et net que le barreau du Québec, il y a énormément de criminels qui protègent un réseau d'enlèvement d'enfants. Puis à l'intérieur de ça, il y a une petite élite pédophile. Que ceux qui ont la chance demain, monter au palais de justice de Grimbay, il y a une manifestation, il va y avoir près de 2000 toutous d'installés dans les marches, puis des décès, puis des enfants négligés par le directeur de la protection de la jeunesse avec la complicité du barreau du Québec. On a notre truc. Ça fait que je vais arrêter ça pour ce soir, mais ceux qui ont la chance demain, puis vendredi, au palais de justice de Grimbay, c'est important, parce qu'il y a un petit garçon qui, présentement, que le DPJ s'en balance et qui sont prêts à le remettre avec les bourreaux. Ils sont encore en prison, là. Assez spécial. Assez spécial. C'est ça la mentalité du DPJ. Puis quand on se lève contre eux autres, ils essaient de nous bouillonner par des poursuites, par des jugements qu'il ne faut pas qu'on publie. Mais je vous garantis que ça va tomber cet été. C'est sûr et certain. Que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Puis je vous le dis tout de suite, là, je ne reviendrai pas là-dessus. Écrivez-moi même pas pour demander, j'ai besoin, j'ai un gros dossier. Je suis déjà bien occupé, puis rien que là, c'est un autre procès contre moi, contre la corruption. Ça fait qu'avant de me demander de l'aide, commencez donc par m'aider en venant au procès. Ou en envoyant des dons à l'organisme, pas à moi, à l'organisme. On a besoin de fonds, parce que quand on reçoit des poursuites, ça nous coûte des frais des frais d'assignation, les témoins, des affaires comme ça. On a besoin. Mais je peux pas me tenir debout pour une gang de moutons qui foutent rien pour se prendre en main. Ça fait que le 5 septembre, mettez ça sur votre date, sacrifiez une journée pour venir dire votre mécontentement au barreau du Québec. Et en passant, un instant, je vais vous sortir une petite quelque chose en plus. Je vais vous sortir de quoi? Donnez-moi 2 secondes, là. Je vais vous donner un petit numéro de téléphone, ceux que ça leur tente. Ceux qui sont tannés de la corruption judiciaire, poliment, gentiment, sans insulte ou sans menace, appelez donc Claude Gilleduc. V'là son numéro. Dites-lui donc ce que vous pensez du barreau du Québec. Ça serait peut-être pas pire, puis je vais vous donner un autre numéro. Je vais aller dans mes messages, ça sera pas bien long. Vous voyez ça, moyen qu'aller à Eliane Hug. On va aller voir ça, ça sera pas bien long. Eliane Hug. Je vais vous tourner l'écran. Ça fait que ceux qui ont besoin d'avocats, qui ont des troubles avec le directeur de la protection de la jeunesse, de grâce, ne me contactez pas, mais contactez Eliane Hug, avocate aux affaires juridiques. Elle et Claude Gilleduc peuvent sûrement faire du pro bono pour vous autres. Faire vos dossiers gratuitement, vous aider à vous récupérer vos enfants ou vous conseiller avec le DPJ. Ça fait que moi, je vous conseille, au lieu de me demander de l'aide concernant votre dossier, Claude Gilleduc et Eliane Hug. Et dites-lui que... Ben, dites-leur que vous avez besoin d'aide et qu'ils fassent du pro bono parce que, à date, ils chargent une méchante fortune pour absolument rien. Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée puis j'espère vous voir en grand nombre le 5. Et en passant, j'avais mis un sondage sur Facebook pour une manifestation devant le bureau de Claude Gilleduc et le barreau du Québec. C'est sur la rue Saint-Laurent et Notre-Dame. En tout cas, manifestation devant le barreau du Québec, ça s'en vient. Je vais faire ça au mois d'août. Donc, allez remplir le sondage. Regardez sur ma page Facebook ou celle de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Il y a un sondage de fait. Et on va mettre ça en branle bientôt. Barreau du Québec, c'était sa corruption.
Puis Gabriel Pro Bono, Hug et le Duc. Ouais, ouais, appelez-les. Appelez-les, puis demandez-leur de l'aide. Les gens qui ont besoin d'aide, appelez Claude G. Le Duc, puis Eliane Hug. Je redonne l'adresse encore, Eliane Hug. Voici son numéro. C'est carrément son numéro de téléphone cellulaire, ça, là. En tout cas, elle répond régulièrement. Je sais pas si c'est son cell, mais sinon, c'est son bureau direct, le fax. Que gênez-vous pas. Demandez de l'aide à Mme Eliane Hug. Elle est, c'est elle là, qui avait amené un faux témoin dans le procès au pénal. Ce qu'on elle que l'appel est supposé se faire, mais là, ça date, ça bouge pas fort fort. Mais bref, je vais aller décompresser un petit peu de ce niaisage-là. Mais c'est clair que j'espère que le 5 septembre, j'espère voir 1000 personnes alentour du palais de justice pour passer le message à ces corrompus-là que c'est assez. Parce que le pire là-dedans, c'est que le procureur général est au courant de ces poursuites-là et il fait rien. Elle fait rien. À la place, il y en a qui préfèrent se promener de ville en ville pour dire qu'ils veulent le changement, mais quand ils arrivent du concret, ils font rien. Bonne soirée à tous, puis je vous donne des nouvelles sous peu. Bye!